indiscriminable de précité. Oui, c'est un petit avis. C'est One Night, tout compté. We'll be right back.
Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes nombreux à être connectés ce matin pour la journée porte ouverte du lycée Airbus qui, compte tenu du contexte sanitaire actuel, se déroulera en virtuel. J'espère que vous êtes confortablement installés, vous, futurs candidats au lycée Airbus, et vous, parents, soucieux de découvrir notre établissement. Je me présente, je suis Nicolas Coidou, je suis le directeur du lycée Airbus depuis maintenant plus d'1 an et je suis ravi d'être avec vous pour une bonne heure en direct de ce plateau de télévision d'Airbus qui ne se trouve pas, vous vous en doutez, au lycée, mais nous avons un envoyé spécial en direct du lycée qui nous montrera ce qui s'y passe. Je suis accompagné sur ce plateau de plusieurs personnes de mon équipe, Christian Vergne, responsable pédagogique, bonjour. Julie Busser, responsable administrative et financier, et Denis Bousquet, notre CPE. Bonjour. Durant cette journée porte ouverte, vous avez la possibilité tout au long de cette heure de nous poser des questions sur le chat qui apparaît sur votre écran et nous y répondrons en fin de séance. Nous avons prévu un temps pour cela. L'objectif de cette heure est de vous présenter le lycée Airbus, les différents métiers, les diplômes préparés, le fonctionnement de l'établissement et comment nous rejoindre. Tout d'abord, sachez que rejoindre le lycée Airbus, ce n'est pas intégrer un lycée comme les autres. Créé en 1949, le lycée Airbus est l'un des rares lycées d'entreprise encore en France. L'objectif est de former des compagnons et des techniciens qui travailleront demain dans le domaine aéronautique et spatial, que ce soit les avions, les satellites, les hélicoptères ou d'autres entreprises partenaires d'Airbus. Nous avons déjà formé plus de 5000 personnes qui, hier, aujourd'hui et demain, ont contribué, contribuent et contribueront à faire d'Airbus l'un des plus grands groupes aéronautiques et spatiaux du monde. Implanté à Toulouse, sur l'usine de Saint-Éloi, le lycée Airbus est au cœur de la ville, dans le quartier des Minimes, à proximité du métro. Il s'agit d'un lycée privé, conventionné, éducation nationale, où les frais de scolarité sont gratuits. Nous accueillons environ 380 élèves au total, avec chaque année une promotion d'environ 100 élèves. Nous accompagnons nos élèves, qui deviennent des alternants en apprentissage, en terminale, autour de 3 axes importants pour nous. Le premier axe est le savoir, avec environ 35 heures de cours par semaine, avec des matières générales, français, histoire, géographie, mathématiques, sciences, arts appliqués, économie ou encore le sport, et des matières techniques, l'atelier, physique, système aéronef, la construction mécanique et d'autres matières. Nous donnons une place importante à l'anglais, avec des cours d'anglais et des cours d'anglais technique, Airbus étant un groupe international avec plus de 72 nationalités représentées. Le second axe est le savoir-faire, avec une proximité forte avec l'entreprise et avec les ateliers. La pratique est au cœur de l'enseignement et nous avons notamment une zone dédiée pour l'apprentissage en terminale. Enfin, le dernier axe, le plus important à mes yeux, est le savoir-être. Nous insistons énormément sur les valeurs, que sont le respect, l'esprit d'équipe, la fiabilité ou encore la créativité. Nous voulons que derrière ces mots, il y ait du sens pour nos jeunes. Nous voulons également que les termes « sécurité » ou encore « qualité » soient la base de leur travail en atelier et que dès leur arrivée au lycée, ils en prennent conscience. Nous mettons l'élève au cœur du dispositif. J'ai la chance pour cela d'être accompagné d'une équipe pédagogique disponible et compétente qui suivra de manière individualisée le jeune, de façon à ce qu'il trouve sa place dans notre établissement. Je vous propose maintenant de passer la main à Christian Vergne, qui va vous présenter la carte pédagogique. Alors Christian, pouvez-vous nous présenter les diplômes et les métiers que l'on prépare au lycée Airbus ? Bien sûr, Nicolas. À l'issue du test d'admission, qui se déroule, je rappelle, qui est du niveau de la classe de 3e, les élèves intègrent un bac professionnel pour lequel les 2 premières années, la seconde et la première, sont suivies en mode scolaire. Un stage dans une entreprise autre qu'Airbus dure 4 semaines pendant l'année de seconde et 2 autres périodes de stage pour une durée de 7 semaines sont réalisées au sein d'Airbus pendant l'année de première. L'année de terminale, quant à elle, est réalisée en apprentissage chez Airbus ou bien une filiale ou bien une société partenaire. Les 5 diplômes préparés au lycée sont les bac pro aéronautique option structure, bac pro aéronautique option avionique, bac pro aéronautique option système, bac pro technicienne technicien en chaudronnerie industrielle, bac pro technicienne technicien d'usinage. Après l'obtention du bac, 2 orientations sont possibles, soit l'insertion dans la vie professionnelle chez Airbus, une filiale ou des partenaires,
soit la poursuite d'études en BTS aéronautique sur 2 ans et en apprentissage, ou bien en BTS maintenance de systèmes de production, également en 2 ans et en apprentissage, ou bien la mention complémentaire technicienne et technicien en peinture aéronautique, qui quant à elle est sur 1 an et en apprentissage. Quelle que soit l'orientation, embauche ou poursuite d'études, des entretiens de recrutement sont réalisés. Il est possible, après le BTS et en fonction du besoin de l'entreprise, de continuer vers une formation d'ingénieur, et ce, toujours en apprentissage. Merci Christian. N'hésitez pas à poser vos questions sur ces différents métiers. Nous y répondrons à la fin. Je vous propose maintenant de rejoindre notre envoyé spécial Serge, qui est avec nous en direct du lycée, pour nous présenter le premier métier. Bienvenue dans l'atelier d'usinage. Voici une petite vidéo préparée par les élèves. Juste après, on se retrouve avec Romain. Et vous allez voir, peut-être que vous allez pouvoir le reconnaître dans la vidéo. Bon visionnage. Bonjour, je m'appelle Clément. Bienvenue dans l'atelier des techniciens d'usinage. Mes camarades de classe, Yéza et Romain, et moi-même, allons vous présenter qu'est-ce que le métier de technicien d'usinage. Alors pour commencer, l'usinage c'est quoi? C'est la réalisation de pièces par enlèvement de matière à l'aide d'un outil coupant. Au début de notre formation, on utilise des fraiseuses et des tours conventionnelles pour la réalisation de pièces simples. Ces machines nous permettent d'apprendre les fondamentaux de l'usinage. Ce sont des machines qui ne sont pas automatisées. Au fur et à mesure de notre formation, nous apprenons à lire un plan, à utiliser une gamme de travail ainsi que les bases du montage des pièces sur machine. Nous apprenons également à usiner des pièces et des assemblages plus complexes. Pour cela, on utilise des fraiseuses et des tours numériques qui nécessitent un logiciel de programmation. On apprend la conception et la programmation sur des logiciels CAO et FAO appelés SolidWorks et SolidCAM. Une fois le programme réalisé, nous préparons la matière à usiner. Nous préparons et réglons les outils coupants. Nous réalisons les différents réglages de la machine. Et nous assurons le bon fonctionnement de l'usinage. La qualité et le contrôle sont essentiels dans notre métier. Pour cela, nous disposons de différents appareils de mesure, comme les pieds à coulisses et les jauges de profondeur. Nous utilisons aussi une machine à mesurer tridimensionnelle pour effectuer le contrôle de nos pièces. Nous réglons et programmons cette machine pour valider la conformité de la pièce. Nous réalisons également la maintenance courante, qui consiste à la vérification des niveaux et à la prévention des pannes machines. Le technicien d'usinage demande de la rigueur, de la minutie et de la précision. Ce métier est ouvert à toutes et à tous et nous constatons que les filles sont de plus en plus nombreuses à nous rejoindre. Merci pour votre écoute, en espérant vous retrouver l'année prochaine. Romain, peux-tu te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc je m'appelle Romain, j'ai 16 ans, j'ai fait une troisième avant de rentrer au lycée Airbus et je suis actuellement en première. Pourquoi as-tu choisi le secteur aéronautique? Parce que tout d'abord, l'aéronautique et le spatial, ce sont des activités qui font rêver. Et c'est aussi un secteur très innovant. De plus, je trouve que c'est une fierté de travailler dans ce milieu. Et d'autre part, l'aéronautique offre des opportunités variées en termes de métier comme en termes de carrière. Si tu devais donner 2-3 compétences indispensables pour travailler dans l'aéronautique, lesquelles situerais-tu ? Je dirais le travail d'équipe, parce qu'un avion, ça se construit pas tout seul. Et je dirais également l'honnêteté, parce que travailler sur des avions, ça engage sa responsabilité. Et il est impératif de signaler toutes erreurs que l'on est amené à faire, parce que les conséquences, elles peuvent être très lourdes, voire fatales. Merci Romain. Merci Serge, et merci Romain, et merci à tous nos usineurs. Denis sur le plateau, vous souhaitiez réagir au reportage que vous venez de voir? Oui Nicolas. Alors comme l'a dit Romain, pourquoi choisir le secteur aéronautique? Cela peut être un choix par passion de l'avion, par passion des technologies de pointe, ou tout simplement par envie de faire un métier de ses propres mains, de faire un métier manuel. Qui peut venir au lycée Airbus? Le lycée est ouvert à tous, avec un fort engagement en faveur de la diversité.
Diversité veut dire mixité filles et garçons, accueil des personnes en situation de handicap avec un suivi individualisé, mais également mixité sociale. De plus, nous avons la chance d'avoir un lycée au cœur de l'entreprise, ce qui va permettre de travailler la culture d'entreprise. Cela va permettre notamment de préparer la future entrée dans le monde du travail. Nous allons donc apprivoiser les codes, les règles, le langage herbusien et parfois éviter certains pièges. Cela sera possible grâce à des intervenants ponctuels de l'entreprise dans le domaine de la sécurité, de la qualité client, de l'ergonomie, des RH par exemple. Et pour finir, comme disait Romain dans la vidéo, nous travaillons sur les compétences, la culture d'entreprise, mais également sur le savoir-être, le comportement. Nous travaillons autour des valeurs de l'entreprise, la fiabilité, l'esprit d'équipe, le respect, la créativité, l'orientation client et l'intégrité. Donc en plus des cours, des activités sont là pour décliner ces valeurs. Des activités sportives, l'UNSS, la montagne, des activités techniques, le BIA, le brevet d'initiation aéronautique, des activités culturelles, du théâtre et des animations littéraires, et des activités citoyennes et solidaires, en participant à des associations humanitaires comme ELA ou Hôpital Sourire. Tout est fait pour le développement de chacun. Merci Denis. Je vous propose de retrouver Serge, qui s'est déplacé dans un autre atelier pour nous présenter un nouveau métier. Serge, à vous. Nous sommes dans l'atelier chaudronnerie. Je suis avec Maxime, qui est élève au lycée. Mais avant de lui poser quelques questions, voici un film réalisé par les élèves sur leur atelier. Et on se retrouve juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'atelier de chaudronnerie du lycée Airbus. Mes camarades de classe et moi-même allons vous présenter l'atelier de chaudronnerie. Ici, nous travaillons différentes matières, de l'inox, de l'aluminium, du tétane, du laiton et du cuivre, avec des tôles de différentes épaisseurs. Nous déformons la matière à l'aide d'un marteau ou d'une machine, puis par la suite, mon camarade Léo va vous expliquer les différents procédés pour de l'allongement ou de la repeinte. Je vais vous parler de la déformation de la matière à l'aide de différents outils. Nous utilisons des maillets, des marteaux, afin de réaliser des pièces comme celle-ci, conformément au plan. Dans un premier temps, on découpe un débit aux côtes du plan. On le roule avec une rouleuse qui permet d'arrondir la pièce. Puis, on déforme la matière, on la restreint grâce aux maillets et aux taboules. Restreindre la matière signifie la resserrer sur elle-même pour prendre, par exemple, dans ce cas, la forme d'une boule. Dans l'étape suivante, on a commencé l'allongement avec un marteau spécifique qui nous a amené à une pièce finie comme celle-ci. Voici une cornière que nous avons déformée grâce à cette machine qui peut restreindre ou allonger la matière. Je vais passer la parole à mon collègue Clément qui va vous expliquer comment faire les plans. Donc moi je vais vous parler des plans. Avant de porter des modifications à une pièce, on passe par l'étape des plans, donc la confection des plans. On a trois logiciels pour sélectionner ces plans. Donc là, vous pouvez voir qu'on a SolidWork. Donc c'est un logiciel de dessin. On va pouvoir dessiner notre pièce à l'écran, comme vous pouvez voir ici. Puis on a Logitrace. Logitrace, c'est un logiciel de calcul, donc pour faire les calculs de longueur développée. En troisième logiciel, on a Lantec. Donc Lantec, on va effectuer le dessin de la pièce à plat. Puis après, on va pouvoir faire des simulations pour voir ce que ça va donner à la jet d'eau. C'est un logiciel de découpe en fait. Donc là, je vais vous faire la simulation. Là, vous avez la simulation de la découpe. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Lucas qui va vous expliquer comment marche la jet d'eau. Là, on est sur la machine jet d'eau. C'est une machine qu'on est amené à utiliser durant notre formation pour détourer des pièces, des gabarits. Donc pour commencer, on place une tôle à l'intérieur. On programme notre machine. On lance le programme dedans, on la règle pour avoir bien à l'origine. Puis ensuite, on lance la découpe. Et on revient une fois que notre pièce est finie découpée. Je vais vous présenter la machine qui s'appelle la presse plieuse, comme vous pouvez voir devant vous. Donc pour utiliser cette machine, on va venir à bord de l'ordinateur pour réaliser un programme. Donc vous pouvez voir ici la pièce qu'on va venir plier. Et ensuite, on va venir mettre la pièce pour la plier. Bienvenue dans la zone de soudure. Donc, durant notre formation, on va être amené à souder différents matériaux grâce à un poste TIG, comme de l'acier, du titane ou de l'inox. Ces matériaux, on va pouvoir les souder à plat comme en angle, avec ou sans métal d'apport. On va aussi apprendre à pointer et à souder en cordon.
Voici une nacelle. C'est notre projet de terminal. Elle regroupe l'ensemble des procédés que l'on apprend tout au long de notre formation. Maxime, merci d'être avec nous. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Maxime Bousquet, j'ai 17 ans et je suis en classe de chaudronnerie industrielle. Alors, tu as choisi le bac pro chaudronnerie, il y a 5 bac pro ici au lycée. Pourquoi chaudronnerie ? Avant de venir, j'avais regardé pour soit le bac pro chaudronnerie, soit le bac pro structure. Sachant que la première semaine, dans le cadre de la nouvelle année et de la nouvelle année scolaire, on est amené à réaliser un stage tournant. On nous a donc fait découvrir tous les métiers où on a pratiqué pour savoir ce que l'on pouvait être amené à faire pour plus tard. J'ai vraiment adoré le métier de chaudronnerie et du coup, mon vœu s'est vraiment porté sur ce métier-là. Alors, qu'est-ce que tu as vraiment adoré dans ce métier ? C'était le fait de comprendre la déformation de matière. Pour la plupart, on sort de l'enseignement général. Donc, arriver dans un bac pro et faire autre chose que de l'écriture ou quelque chose comme ça, c'est très différent. Ici, on est vraiment dans l'analyse de la pièce. Il faut être très rigoureux pour ne pas donner de mauvais gestes, sachant qu'il faut être extrêmement patient, car l'analyse, c'est beaucoup de choses en chaudronnerie. Merci Maxime, et bonne continuation. Très clair, Serge. Et merci Maxime, et merci à nos chaudronniers. Christian, vous souhaitez commenter ce que vous venez de voir ? Oui, effectivement, Nicolas. Comment choisir son métier ? Les premiers pas au lycée Airbus pour les nouveaux admis débutent une semaine avant la rentrée scolaire normale. L'objectif de ces premiers jours consiste à découvrir les 5 métiers enseignés au lycée de façon à pouvoir faire un premier choix d'orientation vers un tronc commun, le tronc commun productique ou bien le tronc commun aéronautique. Cette période de formation en tronc commun se déroule sur la durée du premier semestre. Le choix d'orientation définitive est fait en décembre, à savoir pour le tronc commun productique, choix du métier technicienne ou technicienne d'usinage, ou bien technicienne ou technicien chaudronnerie industrielle. Concernant le tronc commun aéronautique, eh bien c'est le choix vers le métier avionique, ou bien structure, ou bien système. Merci Christian pour ces précisions. Je vous propose de retrouver Serge, qui va nous présenter le métier d'avionique désormais. Nous sommes ici au cœur de l'atelier avionique. Je suis accompagné de Marine, qui va nous parler de son lycée. Mais juste avant, je vous propose une petite vidéo. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons au lycée Airbus, précisément au troisième étage de notre atelier avionique ELEC. Et je vais tout simplement vous présenter les 4 principales zones de notre atelier. Et c'est parti! Bonjour, nous nous trouvons ici en zone bâtie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une des différentes opérations que nous pouvons réaliser. Pour cela, je m'équipe de mes EPI, qui est une condition identique que sur avion, ainsi que de ma documentation SOI, Standard Operating Instruction, qui m'indiquera les différentes phases de travail. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ici en zone unité électrique. Nous fabriquons différents équipements qui serviront plus tard à intégrer la structure. Je vais donc vous inviter avec moi à regarder le process de certissage. We'll be right back.
Bonjour, je vais vous présenter la zone structure avion qui se trouve juste derrière moi. Cet espace nous sert à simuler les conditions de travail réelles. Je vais vous montrer l'un des travaux que l'on réalise, entre autres l'installation d'un faisceau électrique. Merci Marine d'être avec nous. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, donc je m'appelle Marine, j'ai 17 ans. J'ai commencé par faire une seconde générale, mais ça ne m'a pas du tout plu. Donc ensuite, j'ai rebifurqué dans le monde de l'aéronautique. Et aujourd'hui, je suis en première avionique au lycée Airbus. Alors, j'aurais aimé te poser une première question. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur l'ensemble de cette formation ? Donc, sur l'ensemble de cette formation, il y a deux choses qui m'ont vraiment marquée. Tout d'abord, c'est que les professeurs d'enseignement professionnel sont tout simplement des anciens techniciens de l'usine et on ressent fortement leur envie de nous accompagner et de nous porter pour nous préparer au monde de l'entreprise. Et ensuite, la seconde chose, c'est qu'au sein du lycée, nous ne sommes plus considérés comme des élèves, mais plus comme des adultes et surtout comme des futurs travailleurs au sein de l'entreprise. Alors, j'imagine que ce doit être exigeant, non ? Ah oui, l'exigence est présente, mais c'est totalement compréhensible, car le comportement que l'on attend de nous est en lien avec les attentes de l'entreprise et les valeurs qu'elle a. Donc tout cela, certes, demande beaucoup d'engagement, mais c'est aussi très motivant, ça nous permet d'être à fond et de donner toujours le meilleur de nous-mêmes. Et alors au quotidien, est-ce que c'est pas trop difficile ? Non, ça va car il y a une bonne harmonie dans la classe, beaucoup d'entraide, toujours là les uns pour les autres, à se serrer les coudes. Et il faut savoir que le lycée organise beaucoup d'activités extrascolaires. Comme vous pouvez le voir sur notre Instagram ou encore notre Facebook, il y a les échecs, le sport, le théâtre, la musique. Parfois, on est de l'association des Restos du Cœur, le BIA. Enfin, il y a vraiment plein d'activités en parallèle de ce qu'on en fait. Et franchement, c'est génial. Eh bien, merci Marine et bonne continuation. Merci Serge et merci à la pétillante Marine. Alors nous avons sur le plateau la venue de Gaël Van Overmer, coordinateur du lycée, en charge de l'emploi du temps, mais également des aspects sécurité et digitalisation, qui sont deux priorités pour nous. Gaël, vous souhaitiez revenir sur ce reportage ? Oui, merci Nicolas. Bonjour tout le monde. Alors effectivement, en tant que responsable sécurité du lycée, je souhaite insister sur un point. Notre priorité au lycée, mais aussi au sein du groupe Airbus, est la sécurité. Donc, dès le premier jour d'arrivée au lycée, nous fournissons à chaque élève les équipements nécessaires à leur protection et tout au long de leur scolarité, nous les sensibilisons au respect des protocoles de sécurité. Notre objectif est très clair. Nous souhaitons que la sécurité soit dans l'ADN de nos élèves lorsqu'ils vont rentrer dans le monde du travail. Le deuxième point que je souhaite aborder est la qualité de l'équipe pédagogique. Marine l'a évoqué, d'ailleurs, dans le reportage, les cours des matières générales sont dispensés par des enseignants de l'éducation nationale et du GRETA. Cela représente environ un tiers des cours. Et les matières techniques, quant à elles, sont enseignées par des professionnels du groupe Airbus. Donc, grâce à leur parcours dans l'entreprise, ils ont tous acquis une véritable expertise dans leur domaine et transmettent avec passion leur savoir-faire. Et pour vous donner une idée, un élève a environ une moyenne de 35 heures de cours par semaine. Et enfin, pour terminer, nous avons à cœur de développer des techniques pédagogiques innovantes. Je parle par exemple de la classe inversée, de co-animation dans les ateliers, mais aussi de tutos vidéo ainsi que des gammes de travail que les élèves peuvent consulter sur des écrans ou des tablettes tactiles disponibles dans tous nos ateliers ainsi que dans nos salles de cours. Donc, vous l'avez compris, la digitalisation est bien au cœur de notre enseignement. Merci Gaël. Continuons d'aller visiter le lycée et je vous propose de retrouver Serge qui est monté d'un étage, je crois, et qui est allé à la rencontre de l'atelier mécanique et de l'atelier système. Bienvenue à l'atelier structure système. Nous allons regarder une petite vidéo réalisée par les élèves et en suivant, je vais profiter qu'Amandine soit avec nous pour l'interviewer sur sa formation. Musique.
Bonjour et bienvenue dans l'atelier des AST. Je m'appelle Benjamin. Je m'appelle Evan. Et moi, Fanny. Nous sommes tous les trois en première AST. Nous allons vous présenter la progression pédagogique de notre métier et ses fondamentaux. En progression, nous apprenons les gestes de base du métier de monteur au travers des différentes pièces en travaillant en toute sécurité grâce aux EPI. Casquettes, lunettes, gants, pochette effaudée pour les débris, bleu de travail ainsi que les chaussures de sécurité. Les pièces sont réalisées à l'aide de gammes de travail où l'on retrouve toutes les informations nécessaires permettant d'assurer la qualité demandée et d'éviter les erreurs. Grâce au plan, on réalise le traçage, le détourage et le façonnage de la pièce. Ensuite, nous pouvons être amenés à percer, ébavurer et rifter. Durant la progression, nous sommes amenés à renseigner l'avancement de notre pièce sur l'écran. Pour finir, à la fin de la journée, nous faisons un point sur le déroulement de la journée en renseignant le SQCDP, qui est la sécurité, la qualité, le coût, le délai et le personnel. Le métier de mécanicien exige certaines aptitudes, la précision, l'autonomie, la dextérité et l'esprit d'équipe. Vous venez de voir la présentation du Bac Pro Aéronautique Option Structure. Je vais maintenant vous présenter le Bac Pro Système. Ce bac correspond au montage d'éléments système comme le montage de tuyauterie carburant avec les mêmes principes de raccordement que sur avion, le montage de tuyauterie conditionnement d'air avec les mêmes exigences de qualité et sécurité que sur les chaînes de montage, le montage de bielle avec freinage par fil frein avec différentes postures que l'on retrouve sur avion. Les métiers mécaniciens, option structure et option système demandent de multiples compétences. Amandine, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Amandine Roque, j'ai 17 ans. J'ai fait une seconde générale au lycée Pierre Bourdieu, mais je me suis aperçue que je préférais faire une formation plus manuelle, concrète. Donc j'ai décidé d'intégrer le lycée Airbus. Et aujourd'hui, je suis en première aéronautique, option structure. Alors ce lycée, tu l'as découvert comment ? Alors c'était grâce à un forum dans mon ancien collège. J'ai appris l'existence d'une journée porte ouverte et j'ai donc décidé d'y participer par curiosité. J'ai ensuite été à la visite. Après la visite, j'ai été séduite par le lycée, les méthodes d'apprentissage et les différents métiers. Donc j'ai été sur le site internet du lycée et je me suis inscrite au test d'admission. Alors ce test d'admission, c'était difficile ? Apparemment, j'ai bien révisé et puis finalement, j'ai trouvé ça plutôt abordable. Pour m'y préparer, j'ai bien revu toutes les notions de la classe de 3e. Et je suis plutôt rigoureuse et la rigueur, c'est une des valeurs que l'on nous enseigne au lycée. Donc, et j'avais vraiment envie de réussir. Eh bien, bonne continuation, Amandine. Et bonne chance. Merci Serge et Amandine pour ce reportage. Je vous propose de passer la main à Julie pour nous parler en l'occurrence de ce test d'admission. Julie, comment on y rentre au lycée Airbus ? Bonjour à tous. Alors déjà, pour rentrer au lycée Airbus, il vous faut remplir certaines conditions. Avoir entre 15 et 18 ans le jour de la rentrée au lycée, soit le 25 août. Avoir au minimum un niveau de 3e et au maximum un niveau de 1e. S'inscrire au test en ligne sur le site internet du lycée Airbus, www.lycéeairbus.com, passer et enfin, bien sûr, réussir le test d'admission. Chaque année, environ 800 candidats s'inscrivent à ce test qui comporte deux grandes étapes. La première se déroule sur une journée complète et cette année, en fonction des conditions sanitaires, ce sera le 11 ou le 12 mai. Cette journée est constituée de plusieurs évaluations. Des évaluations théoriques sur les matières telles que les mathématiques, l'anglais, le français, d'un niveau de connaissance de 3e, comme l'indique Amandine dans le reportage que vous venez de voir, un test de logique et une évaluation de la dextérité via une épreuve de construction. Entre 150 et 220 candidats pourront passer à la deuxième étape, qui est un entretien de motivation avec un professeur du lycée et un responsable des ressources humaines du groupe Airbus. Ça se déroulera début juin. Donc je vous rappelle les dates clés, car aucune dérogation ne sera acceptée passé ces délais. Inscription jusqu'au 11 avril, uniquement sur le site internet du lycée. Test d'admission écrit 11 ou 12 mai. Résultat environ deux semaines après. Et enfin, les entretiens de motivation début juin. Voilà Nicolas, vous savez tout. Merci Julie pour ces informations qui vont naturellement susciter des questions. Je vous rappelle, n'hésitez pas à les poser sur le chat.
Je vous propose de retrouver une dernière fois Serge en direct de la zone top dédiée à l'apprentissage en terminale. Nous voici dans l'atelier Training Opération Production appelé Top. Je vous invite dans un premier temps à regarder une petite vidéo sur ce super atelier et ensuite on se retrouve avec Benjamin pour échanger sur son parcours. Bonjour, mes collègues et moi-même allons vous présenter la zone Training Operation Production. Cette zone nous immerge en situation réelle sur les différents types d'aéronefs. Cet environnement nous permet de consolider nos compétences acquises en cours par du concret. Nous nous exerçons la corvette à inspecter des zones particulières comme les moteurs. Le poste sur l'hélicoptère a la particularité de nous enrichir en exerçant les différentes techniques aéronautiques, mais sur un environnement différent. L'atelier Mammoteur nous permet de reproduire des opérations déjà effectuées sur un établi, mais cette fois-ci sur un élément avion. Le poste cabine est un tronçon de l'Airbus A320. On apprend l'emménagement commercial qui consiste à mettre en place l'habillage d'une cabine. C'est une zone de mise en situation où nous sommes en complète immersion. Nous apprenons les différents travaux afin d'anticiper les besoins de l'entreprise. Cette zone nous prépare au mieux pour notre futur métier. Benjamin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Bien, j'ai 17 ans, j'étais en 3e avant d'arriver au lycée Airbus. Aujourd'hui, je suis en terminale, bac pro option avionique. Pourquoi as-tu choisi la voie professionnelle ? Eh bien, je suis quelqu'un d'assez manuel, j'aime être actif. Ici, au lycée, les cours sont donnés à moitié en classe, souvent sous forme d'activité, et l'autre moitié en atelier. Nous avons des stages qui nous font découvrir le monde professionnel. Et puis enfin, en terminale, nous sommes apprentis. Donc nous voyons le côté plus professionnel de notre apprentissage et nous nous rapprochons de notre métier. Pour moi, c'était la voie royale à choisir si je voulais faire un métier en sortant du lycée. Que comptes-tu faire après ta terminale et l'obtention de ton bac pro ? Bien, je ne sais pas encore. Peut-être que j'irai en BTS ou alors j'irai directement dans la vie active. Mais si je vais en BTS, je sais que ça ne sera pas facile, car seulement 20 à 30% des élèves du lycée Airbus y sont acceptés. Merci Benjamin. Merci Benjamin et merci pour tous ces reportages, Serge. Philippe Henné nous a rejoint sur le plateau. Philippe, pouvez-vous vous présenter et vous souhaitiez commenter également ces images ? Merci Nicolas. Bonjour à tous, je suis Philippe Henné et je suis le responsable des formations après le baccalauréat professionnel. Donc cette dernière vidéo sur la zone top illustre bien la finalité de nos formations, qui est la préparation à une vie professionnelle dans des métiers qui répondent aux besoins de l'entreprise. La préparation à la vie professionnelle se fait par la formation sur des matériels spécifiques dont dispose le lycée dans ses ateliers, et ensuite par une immersion progressive dans le monde de l'entreprise. Nos moyens sont adaptés au gré de l'évolution des technologies et des besoins. Nos matériels nous permettent de faire des travaux pratiques en situation réelle. Nous disposons également d'installations identiques à celles utilisées dans l'entreprise. Parlons maintenant de la progression des élèves et apprentis en entreprise. Cela commence par un stage de 4 semaines en seconde, il y a ensuite un stage de 7 semaines en première, et enfin, la terminale se déroule en apprentissage et la formation y est alternée entre le lycée et l'entreprise. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur nos formations professionnelles. Merci Philippe. Avant de répondre à vos questions, d'ailleurs n'hésitez pas à continuer à les poser, nous avons été à la rencontre de Donald Frati, qui est le directeur des ressources humaines d'Airbus en France et qui tenait à vous parler de la situation de l'aéronautique et d'Airbus, ainsi que Philippe Pigozzo, un manager de production qui accueille chaque année des élèves du lycée Airbus dans son unité de production. Je vous propose de les écouter. Chers amis, bonjour. Laissez-moi tout d'abord me présenter. Je suis Donald Frati, le directeur des ressources humaines du groupe Airbus en France. Le groupe Airbus en France, ce sont évidemment les activités d'avions civils, mais ce sont aussi les hélicoptères, la défense
et l'espace. Je suis ravi de m'adresser à vous aujourd'hui, futurs lycéens, je l'espère, parents, enseignants. Vous êtes aujourd'hui au cœur de ce qui se fait de mieux en France en termes d'enseignement technique aéronautique, le lycée Airbus. Et nous sommes très fiers de notre lycée. Si l'usine dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui fête ses 100 ans, le lycée, lui, forme ses talents pour le secteur aéronautique depuis plus de 70 ans. Chaque année, une grande partie des diplômés du lycée intègrent Airbus et la filière aéronautique. Bien sûr, la crise sanitaire et économique que nous traversons, comme vous le savez, est sans précédent. Le transport aérien s'est brutalement arrêté depuis le début de la pandémie du Covid-19. Nos clients directs se sont retrouvés avec leur flotte d'avions clouée au sol. L'industrie aéronautique a elle aussi connu un coup d'arrêt de ses activités opérationnelles. Nous assemblons et livrons aujourd'hui environ 50% des avions qui étaient initialement prévus à notre planning. En conséquence, Airbus Commercial Aircraft a lancé en juillet un plan d'adaptation pour cette crise Covid-19 et donc un plan de sauvegarde dans l'emploi qui a impacté plus de 4200 postes en France. Mais nous avons néanmoins réussi à intégrer 50 jeunes du lycée Airbus dans nos effectifs en contrat à durée indéterminée. Parce que nous ne formons pas pour former. Nous vous formons, chers jeunes, futurs élèves, nous formons, chers parents, vos enfants pour nos besoins futurs. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le nombre de places de promotion varie d'une année sur l'autre pour coller au mieux aux besoins de l'entreprise, tant du secteur aéronautique que pour l'entreprise elle-même. Les besoins du marché évoluent, les avions évoluent, les techniques évoluent, le secteur tout entier de l'aéronautique évolue. Et par ricochet, ce que nous enseignons au lycée Airbus est ajusté en permanence. Le site Airbus Commercial Aircraft de Toulouse couvre les activités de production de toute la famille d'avions Airbus. C'est aussi à Toulouse, dans l'usine de Saint-Éloi dans laquelle vous vous trouvez, que sont assemblés les mâts réacteurs de tous les avions Airbus. Le site d'Airbus Toulouse comprend aussi un bureau d'études conséquent, des activités d'essai en vol et bien sûr la livraison aux clients. Plus de 350 avions ont été livrés en 2019 depuis Toulouse. Nos activités opérationnelles sont celles qui devraient redémarrer le plus rapidement. Nous devons donc garder espoir en l'avenir. Vous qui concourez aujourd'hui pour entrer au lycée, serez sur le marché du travail en 2024. Nous pouvons légitimement penser que notre activité aura, à cette date, retrouvé son niveau de 2019. Je ne crois pas à l'arrêt brutal de l'aviation. Et je sais que si vous êtes connecté aujourd'hui, vous n'y croyez pas non plus. Notre secteur d'activité va redémarrer, c'est une question de mois. Soyez-en sûr, l'aviation a de belles et longues années devant elle au plan mondial. Mais l'innovation est clé. Et qui de mieux placé que la jeunesse pour apporter de nouvelles idées et préparer l'avenir ? Je souhaite terminer en vous remerciant pour votre écoute, en vous souhaitant une belle continuation et j'espère avoir contribué avec mes collègues à susciter le bel engouement et des vocations pour notre lycée. J'espère donc très sincèrement vous y retrouver dès l'année prochaine. Donc, à très bientôt. En tant que responsable d'une ligne d'assemblage, je reçois tous les ans des apprentis du lycée Airbus. Je partage mes acquis techniques et humains. J'apprécie leur connaissance du fonctionnement d'un groupe de production, savoir qu'ils apprennent au lycée. Et ces élèves savent aussi mettre en avant leurs compétences et leurs capacités d'adaptation. Nous les aidons à préparer leur avenir et leurs compétences. Merci Donald et merci Philippe pour ces précieux témoignages. C'est vrai que nous avons la chance de pouvoir proposer et d'accompagner nos élèves à la suite de leur scolarité, soit avec une possibilité éventuelle de contrat chez Airbus ou ses partenaires, soit dans leur projet de poursuite d'études. Même au plus profond de la crise, Airbus a su trouver des solutions pour la promotion sortante du lycée Airbus. Depuis, comme l'a dit Donald Frati, la situation industrielle s'améliore, même si nous devons faire preuve de prudence étant donné l'année dernière que nous avons tous vécue,
nous avons de sérieux motifs d'espoir en termes de charge industrielle et de nouveaux projets, comme l'avion vert, par exemple, pour la filière aéronautique. Alors, nous avons plusieurs questions et je vous propose maintenant d'essayer d'y répondre. Alors, Julie, tout d'abord, nous avons beaucoup de questions d'ordre administratif. En effet, beaucoup de questions d'ordre administratif. Alors, d'abord, sur les limites d'âge. Aucune dérogation, malheureusement, n'est possible sur ces éléments. Il faut bien avoir moins de 18 ans et plus de 15 ans lors de la rentrée. En effet, légalement, il est interdit aux personnes de moins de 15 ans d'entrer dans les ateliers. Et comme vous l'avez précisé, Christian, dès le premier jour, les élèves de seconde vont rentrer dans les ateliers. Donc, 15 ans au 25 août. Certains d'entre vous nous ont remonté des difficultés pour avoir accès à Internet. Les inscriptions sont uniquement par Internet. Vous pouvez vous adresser au CIO, au CDI de vos établissements pour avoir accès à un ordinateur et Internet. Alors, il y a eu aussi des questions concernant la logistique des tests. Les épreuves se dérouleront sur Toulouse. L'adresse vous sera précisée sur chacune des convocations. Et à chaque étape, vous devrez vous présenter avec une pièce d'identité en cours de validité. N'hésitez pas à vous en préoccuper dès maintenant pour être prêt le jour J. Vous avez été nombreux aussi à nous parler de la préparation aux tests. Il faut travailler les mêmes connaissances que celles requises pour le brevet. On peut donc se servir des annales du brevet. Et vous pouvez aussi aller sur notre site où vous trouverez des exemples d'exercices. Enfin, évidemment, beaucoup de questions sur la vie au lycée. Je vais essayer de répondre à toutes vos interrogations. La scolarité est gratuite. Il vous faut compter quand même le coût de la restauration qui a un prix moyen de 5,50 euros avec entrée plat dessert. Il est tout à fait possible de faire les demandes de bourses de l'éducation nationale puisque notre lycée est sous contrat avec le ministère de l'éducation nationale. Et il existe aussi une bourse Airbus. Dernier point à savoir, important, il n'y a pas d'internat au lycée. Les élèves peuvent néanmoins dîner le soir au self de l'usine qui accueille le lycée. Il faut savoir qu'environ 50% des élèves du lycée ont dû quitter le domicile familial et vivent à proximité du lycée, en colocation, dans une chambre chez l'habitant ou en studio. Et ça se passe très bien. La seule chose qu'ils nous disent, c'est qu'il faut qu'ils rassurent leurs parents. Nous sommes dans un quartier avec beaucoup de logements disponibles et à proximité du métro, donc toutes les facilités sont là. Justement, pour encore plus vous faciliter les démarches, il existe un forum qui met en relation les futurs élèves avec d'éventuels propriétaires de logements en location. Voilà pour ma part. Merci Julie. J'ai une question. Pouvez-vous nous rappeler la date de rentrée pour les secondes et les premières ? Alors oui, les secondes, c'est le 25 août et les premières et terminales, c'est la rentrée classique, comme toutes les autres premières et terminales, début septembre. Merci Julie. Christian, des réponses à apporter aux questions d'ordre pédagogique ? Oui, bien sûr. Alors, il y a une question concernant l'enseignement supérieur, à savoir, je veux devenir ingénieur ou pilote. Est-ce que le lycée Airbus est la bonne voie ? Alors, dans ce cas, effectivement, spécifique pour le devenir pilote, le lycée Airbus n'est pas la bonne orientation. Cette voie existe au lycée Airbus, plutôt pour le diplôme d'ingénieur, d'ailleurs, mais elle est quand même marginale. D'autres questions assez similaires concernant l'évolution, à savoir, j'ai effectué une seconde ou une première, puis j'ai intégré le lycée en première ou en terminale. Alors là, la réponse est très simple, non, tout simplement parce que tous les élèves intègrent en seconde étant donné les spécialités et spécificités enseignées au lycée. Et je rappelle d'ailleurs que le test d'admission, qui est de niveau 3e des collèges, est ouvert aux 3e, 2e et 1e uniquement. Une autre question concernant également le bac plus, comment est-ce qu'on s'inscrit au BTS ? Alors, il faut tout simplement aller sur le site du pôle formation de l'UIMM Occitanie. Vous avez sur le bandeau l'adresse qui s'inscrit, donc www.formation-industrie, au pluriel, -mp.fr. Une autre question similaire à une des précédentes. Je suis en seconde aéro dans un autre lycée. Est-ce que je peux entrer au lycée en classe de première ? Alors non, c'est identique à ce que je viens de vous dire précédemment. Tous les élèves intègrent en seconde, étant donné les spécificités que nous enseignons, notamment liées à tout ce qui touche l'enseignement aéronautique spécifique. D'accord.
D'accord, Christian. Nous avons d'autres questions aussi en lien avec ce que vous venez de dire, Christian. Pouvez-vous nous représenter la carte de formation, et en particulier sur le lycée? Oui, bien sûr. Si on peut la faire apparaître. Quoi qu'il en soit, les tests d'admission, je rappelle, sont du niveau 3e des collèges. Les élèves, ensuite, intègrent, comme vous le voyez, un bac professionnel selon les 5 options proposées. Précision, options toutes aéronautiques, malgré l'appellation pour certains diplômes, donc le bac pro aéronautique, option avionique, option structure ou bien option système, ainsi que le technicien en chaudronnerie industrielle à connotation aéronautique, il est très important de le préciser, et technicienne et technicienne d'usinage également à connotation aéronautique, puisque nous y apprenons et nous enseignons toutes les techniques liées au processus d'élaboration de chaudronnerie, mais aussi d'usinage aéronautique. Donc ce bac professionnel, je le rappelle, il se déroule sur les 2 premières années, donc la seconde et la première, sur un mode scolaire, et sur l'année de terminale, en mode apprentissage, dans notre entreprise Airbus, dans une filiale ou chez un partenaire. Ensuite, à l'issue de ce bac professionnel, soumis à des entretiens de recrutement, quelle que soit l'orientation suivante, c'est alors tout simplement l'insertion professionnelle chez Airbus, chez un de nos partenaires, par exemple ATR, ou bien une de nos filiales ou autres partenaires, ou bien la possibilité pour ceux qui ont de très bons résultats scolaires et bien sûr dont le comportement est tout à fait satisfaisant, la possibilité de poursuivre en BTS. Alors BTS aéronautique, toujours sur 2 ans, en mode apprentissage, ou bien le BTS de maintenance des systèmes de production, également sur 2 ans en alternance, ou bien la mention complémentaire en peinture aéronautique, qui est également une spécialisation purement aéronautique, mais qui, elle, se déroule sur 1 an et en mode alternance. D'accord, Christian. En lien avec ce que vous venez de dire, comment se passe cette première semaine pour les secondes et la découverte des différents métiers? Alors la première semaine est effectivement très importante, tout simplement parce que les élèves vont avoir un aperçu très concret de ce que représentent ces 5 métiers que nous enseignons et que nous proposons au lycée. Donc ils vont passer dans chacun des ateliers pour apprendre les bases et comprendre surtout les bases de ce métier qui sont enseignées de façon à pouvoir intégrer, donc comme je viens de le dire, dans un premier temps, le tronc commun qui dure au minimum 1 semestre, de façon à ce qu'ensuite ils puissent réaliser ce choix final vers le métier qui va vraiment correspondre à leurs souhaits et à leur dextérité ainsi qu'à leur capacité. D'accord. Donc ça c'est pour les secondes. Et pour les BTS justement, pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de ces BTS? Pourquoi devons-nous nous adresser à l'UEMM Pôle Formation? Alors tout simplement parce que ce diplôme Bac Plus nécessite alors tout d'abord un mode d'alternance. Donc l'alternant doit trouver une entreprise, à savoir Airbus quand nous le proposons, ou bien une entreprise que peut avoir trouvé le candidat s'il est sélectionné pour intégrer notre formation de BTS. Et parce que le centre de formation d'alternants est tout simplement basé à l'UIMM de Beauzelle, avec lequel nous avons une convention pour travailler sur toute la formation pédagogique. En partenariat avec le lycée Saint-Exupéry. Tout à fait. Voilà. Des questions sur les stages. Alors, ces fameux stages dont vous avez parlé en seconde et en première, sont-ils directement attribués par le lycée? Non. Alors effectivement, très bonne question. Les stages sur l'année de seconde, nous demandons aux jeunes élèves de se trouver eux-mêmes un stage dans une entreprise extérieure, autre qu'Airbus ou partenaire d'Airbus, tout simplement parce que dans leur cursus professionnel et de formation, nous souhaitons qu'ils aillent s'identifier et voir un petit peu le monde professionnel extérieur des micro-entreprises
ou de taille moyenne, de façon à voir vraiment ce que représente le monde industriel. Ensuite, effectivement, sur l'année de première, nous intégrons nos jeunes en stage dans notre entreprise ou chez nos partenaires, tout simplement pour continuer notre cursus de formation dans le métier qu'ils sont en train d'apprendre. D'accord. Et ces stages, est-ce qu'ils peuvent se dérouler à l'étranger ? Bien sûr, ce stage peut se dérouler à l'étranger. Dans une deuxième phase, pour les stages de seconde et première, ce n'est pas possible. En tout cas, pour l'instant, en plus, avec les conditions sanitaires que nous traversons, cela représente beaucoup de difficultés. C'est possible dans un deuxième temps, au moment de l'alternance, et notamment d'un step supérieur après le bac pro. D'accord. Merci, Christian. Denis, avons-nous des éléments de réponse à toutes les questions qui tournent autour de la vie scolaire ? Oui, déjà, on nous a posé plusieurs questions sur la diversité. Comme vous avez pu le voir sur les vidéos et de nos jeunes, nous avons environ 20 à 25% de filles et surtout, tous les métiers sont ouverts aux filles. Concernant la diversité sociale, nous travaillons avec les collèges des réseaux d'éducation prioritaire. Concernant le handicap, il est possible de demander des aménagements d'épreuves, notamment pour le test. Aujourd'hui, 10% de nos jeunes sont en situation de handicap. Au cours du test, sera évaluée la cohérence entre le handicap et les aptitudes nécessaires à l'apprentissage des métiers, et notamment par rapport au risque sécurité. Voilà. Une dernière question pratico-pratique en termes de vie scolaire. Il n'y a pas de sortie à la mi-journée. Le repas est obligatoire au self et comme l'a dit Julie tout à l'heure, le coût approximatif est de 5,50 € le repas. Merci Denis. J'ai d'autres questions aussi en lien avec tout cela. Alors on me pose une question sur le métier de peintre aéronautique. Est-ce qu'on peut en parler un peu plus en détail de ce métier ? Oui, alors ce métier, cette mention complémentaire peinture, consiste lui-même à préparer les surfaces de l'avion, à peindre, à appliquer les peintures et à appliquer également les décorations. Ce métier prépare également au métier support de la peinture pour un step qui viendra un peu plus tard après avoir pratiqué la peinture sur avion. D'accord. Voilà. Et une question alors pour nos futurs élèves. Y a-t-il beaucoup de travail à réaliser le soir, après la journée ? Oui, bon, déjà, il y a un premier travail qui se fait toute la journée en cours. Il faut être attentif, essayer de participer un maximum. Tout est fait après à travers des travaux de groupe pour notamment pour motiver les élèves. Mais également le soir, il y a un petit temps pour préparer ses cours du lendemain et travailler un petit peu, pour être vraiment compétent le lendemain quand on revient en cours. Et c'est vrai qu'il y a un axe fort qui est donné sur les travaux de groupe et on voit souvent nos élèves se regrouper au CDI notamment pour justement avancer sur ces travaux de groupe et préparer leur présentation pour le lendemain. Voilà, effectivement, le CDI est ouvert le soir jusqu'à 18h. Les élèves peuvent travailler. On met à disposition également des salles informatiques, notamment pour les travaux de groupe et les exposés, et également même les imprimantes si besoin pour préparer leurs exposés. Et les élèves peuvent rester et travailler dans un climat de travail apaisé. Oui. D'accord. Merci, Denis. Une question pour Julie. En quoi consiste cette épreuve de l'oral, de l'entretien ? Est-ce que c'est uniquement la motivation du candidat que l'on va chercher à voir ? En effet, c'est uniquement la motivation que nous allons tester, essayer de comprendre pourquoi le candidat souhaite rentrer au lycée Airbus et qu'est-ce qu'il souhaite faire derrière cette formation. D'accord. Merci beaucoup. Je regarde en même temps si on a d'autres questions. Non, apparemment, on aurait répondu à tout le monde. Bon, de tous les cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser par le biais du site internet. Donc, nous avons essayé d'y répondre. N'hésitez pas, donc, comme je vous l'ai dit, à nous écrire. J'espère que cette visite virtuelle vous a plu. Elle vous a surtout donné envie de nous rejoindre. Je vous disais que nous n'étions pas un lycée comme les autres. Alors, rejoignez-nous. Je vous rappelle que les inscriptions pour le test d'admission sont ouvertes, déjà, depuis le 1er mars, et ce, jusqu'au 11 avril. Donc, bonne journée à tous, et n'oubliez pas que le lycée Airbus, c'est apprendre à voler de ses propres ailes. Au revoir et à bientôt.